Et re les amis, on est reparti pour les suites de l'aventure et je pense la fin de Assassin's Creed 2. J'ai fait en off la recherche des pages du codex manquant. Je pense qu'on va entamer la phase finale du jeu. C'est parti. On met tous les codex au mur. Oula, il y a du monde ici. Cours. Bonjour, cours. D'accord. L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui. Nous allons peut-être enfin saisir le sens de cette mystérieuse prophétie et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire. Les pages du Codex nous mettront sur la piste. Étudions-les. Tu ferais pages du Codex pour découvrir l'emplacement du sanctuaire. Ok. Bon bah à ça quand même. Salut mon petit creux, ça va? Alors, peut-être pour interagir. Okay. On met la bouboule. Super. N. J'ai toutes les pages que vous avez bloquées. Hein. Voilà. Oula. Toujours, je suis en possession de cette relique. Viens d'arriver en Angleterre. Ah ben voilà, parfait, ça avance. Nickel, ça. Nickel, par contre, on peut jouer rien là. Get. Get. Pas de rendez-vous, mais pas de vérité. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Il le faut. Une heure, on a un registre. Un peu des deux, et car avec beaucoup de sagesse, c'est bon pour les grains, la philosophie d'un tel postulat ne sont une guerre. Les modes d'une société qui a livré des guerres en brandissant des idées plutôt que des épées. Alors, est-ce la vérité? Celle à laquelle je dois me fier. Sa fonction est simple, élémentaire, dirige la domination, le contrôle, son fonctionnement revanche, sont les méthodes, les moyens pour y parvenir qui sont fascinants. Donc, si on voit sa lumière, voit ses désirs exaucés. Elle demande qu'une chose en retour, une obéissance aveugle et sans comment résister. Cette relique est la tentation incarnée. Rappelez des moments de faiblesse, ma confiance ébranlée par les mots d'Almolim, lui qui avait été comme un père pour moi, s'était finalement révélé être mon ennemi. Il aura suffi que le doute s'insinue en moi, ne serait-ce qu'un instant, pour qu'il contrôle mon esprit avec cette relique. Je triomphais du mal, retrouvais ma confiance et envoyais Almolim dans l'autre monde. Je me suis libéré de mes chaînes et maintenant je m'interroge, suis-je vraiment libre? Je suis là, tentant désespérément de comprendre les rouages d'un objet que j'ai juré de détruire. La raison est simple, la pomme a des choses à dire.
ressent un léger frémissement. Il annonce quelque chose d'important et dangereux. Nous sommes tous en danger. Il est de mon devoir d'y remédier. Je ne vais pas renoncer avant d'avoir découvert la vérité. Il n'en est pas question. Passion. Passion. Bien comme ça, voilà. Mal. C'est un coin. Tour. Ah, j'y vais. Ça. Un puzzle. Ah, ok, allez. De la base. Bien. Je pense. Si. Si. C'est pas trop. Ça, 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 ça. Ça, ça. Tout ce qui coince, qui bug. Ça, je pense. Quelque part, ça avec la ligne là, c'est pas bon. Voilà, c'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir ou à redécouvrir. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver? Non. C'est impossible. Le sanctuaire. Le sanctuaire se trouverait à Rome. Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Ouais. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton? D'après le codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, déjà, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Je suis prêt à vrai dire. À dire je suis prêt. Rome nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. Prêt. Let's go.
Entrez-vous dans la chapelle Sixtine et assassinez Rodrigo Borgia, l'espagnol. Chapelle Sixtine. Purée la classe. Alors on rentre. Allez, salut. Comment ils font ces deux-là? Pas beaucoup de temps, faut que je marche dès qu'ils se dirigent par là, faut que j'y aille. Là, ça sert à rien. Nouveaux animaux à buter. Les gros loups méchants. Là-bas. Allez, ciao mec. Ciao à tutti. Là. Il s'arrête. Allez, salut. Passez une bonne nuit. Jusque là, ça va pas trop mal, hein. Thank you.
Qu'est-ce qu'il a attaché? Je vais faire ça. On va les affronter, j'ai pas le choix. Un de mes anciens adversaires. Je l'ai tué. Alors... Le message ne s'affiche pas là. What the fuck? Merde. Désolé.
Fermez les portes! Arrêtez l'intrus! Saisissez-le! Ah ah ah! Oh, il me saoule. C'est quoi? Allez hop! Oh, il m'a touché aussi, le con. Trop con. Oh merde. Si on coopère, il n'a aucune chance. C'est fait. Bon. Tac. Boum boum tchac, boum boum tchac. Oh l'enfoiré.
enfoiré. Ok, ça c'est fait. Merde, pas lui. Steve. Oh, mais esquive! Esquive! Allez, il est au bon moment! Il est malin celui-là! Lâchez-moi, les gars! Mon épée! Ah, les gars. Cercle, les cons. Attaquez-le au bon moment. Il est malin celui-là. Esquive. Voilà, moi. Restez en place à vous. Il va se fatiguer. Ils attaquent tous les deux en même temps, quoi. À vous de jouer. Ah. Ah, ils sont violents. Et lâche-moi, quoi, mec. Ah, là, c'est bon. Ah, oh, purée. Dur. Le jeu, c'est ça. Merci. Santé, là, parce qu'on était pas très bien, là. Mais... Ah. On fout ce truc, il est où mon épée? On jette ce truc de merde là. What?
Bon, je drop. C'est alors. Mon drop. Inventaire. Arme. Je drop. Acheter. C'est pas acheté. C'est pas une dague. Incroyable. Je veux remplacer le truc que j'ai. Je sais pas comment je vais faire. De dropper cette merde. Comment on droppe cette merde? L'autre, moi. Ah, je me saoule.
Super. Plus grave, Mitch. Je sais pas où j'allais là. Comment je fais pour remplacer une arme, les gars? Quelqu'un qui sait ça? Des armes. Ah. Passe. Garde lui, putain. Ça, c'est pas vrai. Je dois pas traîner ici. Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait. Je vous en prie, tout ça ne me regarde pas. Et je veux bien les amis, mais... Il me regarde là, ça pue du coup. Faut que je passe de l'autre côté. Je dois pas traîner ici. Ça, c'est pas vrai. Je dois pas traîner ici.
Laissez-moi tranquille, je vous en prie. C'est sûrement à la solde d'un noble. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Il lui est passé. Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait. Par pitié, laissez-moi partir. Quelle extravagance. Il est pas d'ici. Je vous en prie. Ça, c'est pas vrai. Je dois pas traîner ici. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça, c'est pas vrai. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, je ne dois pas rester là. Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien. Je sais que trop lourd d'assister à ce petit accident. Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait. Je vous en prie, tout ça ne me regarde pas. Ça, c'est pas vrai. Je dois pas traîner ici. Par pitié. Ne me tuez pas, je vous en conjure. Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait. Je vous en prie, tout ça ne me regarde pas. Mec, calme-toi. Je m'en vais. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium. Oh saint Dieu de misère, de misère. Jésus Christ, filium dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo. Genitum non factum consubstantiarem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in celu, sedet ad dexteram patris. Ieterus venturus, et cum gloria judicare vivos et mortus. Allez, c'est fait. Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. J'ai tant perdu. Requiescat in pace, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure. Oh. What? Il se défend en plus. Oh, chiotte, quoi. C'est trop facile, en fait. Tu devrais être mort. Mais non. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi. Jamais plutôt mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. D'accord. Oui. D'accord. C'est fascinant. What the fuck? Quelle puissance impressionnante. Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions. Très astucieux, mais inutile. Et partout, quoi. Tu as raison de me craindre. Mais est-ce qu'il veut? Assassin.
Oh. Combien de temps crois-tu pouvoir résister? Nice. Tu ne peux pas m'arrêter. Je vais te terrasser, assassin. Tu as raison de me craindre. Le cible pas. Combien de temps vas-tu pouvoir résister? Blague. Tu ne peux pas m'arrêter. Je vais te terrasser, assassin. Tu as raison de me craindre. Il n'y a plus qu'une barre. Très astucieux, mais inutile. Allez, ciao, mec. Ciao, bello. Non, je ne te laisserai pas tout gâcher. C'est terminé, Rodrigo. Si tu déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment, Ezio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Non. Or. Nous allons bientôt le savoir. Je vais m'occuper de toi. Oh. Encore, la deuxième fois que je me fais planter, quoi. Tu ne mourras pas comme ça, mec. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ?
Dieu va t'ouvrir. Ouvre-toi. C'est terminé, Rodrigo. Fini les ruses. Fini les vieilles reliques. On oublie les armes. La main. Maintenant, on va voir si tu as du grand vieux fou. Très bien, alors. Si c'est comme ça que tu veux te battre. Je me bats main nue contre le pape, quoi. Pourquoi t'intéresses-tu au sanctuaire, Rodrigo? Ainsi tu ignores ce qu'il renferme. Ne me dis pas que vous autres, assassins tout-puissants, nous n'avons pas compris quoi. Ce sanctuaire, c'est la demeure de l'Éternel. Attends, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican? C'est quand même... Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte? Je m'en moque. Et tu crois qu'il te le cédera? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut... Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le Créateur tel que décrit dans des textes archaïques? Tu es le pape! Et tu remets en question le livre fondateur de ta religion? Quelle désolante naïveté! Je suis devenu pape pour avoir les mains libres, pour le pouvoir. Inquiète, mec. Je te fais ta fête, bam, bam. Il se défend même plus. C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi, le prophète! Eh oui, mec. Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons-en. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Requiescat in pace. Bon, d'amis, on va prendre ce truc. Non. Je l'achève, lui. Merde. Chute dedans, là. Tiens. Merde. Attendions, prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Ça. Et c'est elle. Nous devons parler. Qui êtes-vous? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite.
Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Uni. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux ? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. What the fuck ? Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créé. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduit en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créé à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée, vous aussi. Cela a exigé des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message, qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. Et quoi ? J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! Putain, elle s'adresse à mon moi du futur, à... Ah putain, à mon descendant. C'est fou. C'est pas vrai ! Eh bien, les amis. Version 2 terminée. Et en arrière. Eh ben c'était pas mal ça, hein. On va pouvoir attaquer le 3 maintenant. Hein. Ah, le 3, non. D'abord, on va faire Brotherhood, qu'on va quand même le faire malgré. Ils seront là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement. Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond. Ouais. Ouais. Ok, Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. What's happened? Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y. Alors, c'est quoi le plan? On quitte le navire et après on fait quoi?
Nous avons une autre plan. Elle, on a de la compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Répéter la nuit, non? Ah bah c'est... Monsieur... Ah oh merde, putain. On dirait que c'est voilà. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stillman, décidément vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi? Ah, oh, voilà que vous me recevez ce vieux discours. Dites-moi si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi. Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Oui? Esquive, mec. Ah, il commence à devenir un assassin là. Simone là, il commence là. Attaque quoi. Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Matt, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir. C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller. Nous le retrouverons, Desmond. Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins, pendant quelques temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend. Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'Animus. Parfait, mais d'abord j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi? C'est le soleil? Qu'est-ce qui va se passer? La Terre va rôtir? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerve, c'est ça? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutus. Je dirais pas ça. On va étudier les dernières séquences. Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite. Je crois que cette fois-ci, c'est bon, non? C'est fini. Ok. Assassin's Creed 2, terminé. Donc si je me trompe pas, le suivant, c'est Brotherhood.
même vérifier l'ordre pour être sûr que je les fasse dans le bon ordre. Yes. Le monde y est, les amis, hein. GG. L'argent. Pour le fun. En peinture extraordinaire. Nice. Bon, bah les copains, hein ? On va quitter là. On va installer le 3. Les Brotherhood. Et peut-être. Continue en français. Oui. C'est la suite de Ezio, je pense. On va mettre ça, on va mettre... Parlons. Tech. Brotherhood, Tech. Mettre à jour. Voilà. La moitié du téléchargement, donc ça devrait. Jour. Ouais, je vais pouvoir en faire un autre, mon petit creuset. Et c'est pourquoi je reçois pas les messages là. Ok. Pas bien. Ouais, j'ai commencé Brotherhood là. Installation. Bah, je suis content, hein. J'ai quand même fait. J'ai quand même débloqué l'armure d'Altaïr. J'ai quand même pas mal avancé sur le jeu, à mon avis. J'ai dû faire. 90% du jeu, je pense.
au statut. ADL, ça. Je reçois mes messages sur un écran Explorer, tu vois. Connecté sur Twitch et je vois les messages. Timelapse, je suis en multi-stream. En même temps sur Facebook, Twitch. J'ai un onglet multi-stream qui m'affiche normalement tous les messages de tous les médias sociaux. Et malheureusement, je ne vois pas sur le. Donc là, je dois revenir sur Twitch, et là, je le vois. Message Twitch, maintenant, je les vois. D'autres, tant pis, je ne verrai pas. Ah bah, c'est parti. Go. Je pense qu'on retourne dans la peau d'Ezio, hein, sur Brotherhood, à mon avis, comme c'est la... ça fait partie du 2. Installation de DirectX. Ok, il était déjà installé, mais c'est pas grave. Tout me faire crash le petit Saligo. Alors comment ça se passe Valhalla? Toujours aussi démentiel? Apparemment pas mal bugué quand même. J'ai vu, je regardais le stream de d'Altaïr. Il y a quand même au niveau des mobs, je regarde pas longtemps pour pas me trop me spoil, mais vraiment au niveau des mobs et des combats parfois l'IA elle est un peu à l'ouest quoi. Mais bon, je suppose qu'ils vont sortir des patch dans pas longtemps. Punkbuster, wow, enfin, tu. Ça se joue multi, ça ou quoi? Ah oui, ils sont en train d'installer Punkbuster. Putain, mais ils n'ont pas joué au. Allez, c'est parti. Côté gameplay pour débloquer le contenu supplémentaire, je vois Assassin's Creed Project Legacy sur Facebook pour débloquer avant. Oui. Alors, scénario multijoueur option. Évidemment que oui. Les commandes, on va les laisser. Je suppose que c'est les mêmes que j'ai. Main libre. Page, tête, E. Mais espace, jambe. Remède 1. 3, 4. Ou des armes A. À droite. Oui, cible. Caméra. Carte. Deux échappes. Main subjective. 9. Graphisme, ça c'est bon, ça c'est bon, les reflets,
des personnages. Tout un max, hein, mec. Post-effet, qualité des ombres max. Max. Ok. Pour le volume, c'est peut-être un peu violent. Session. Non, pas du tout. Oula. Oh. Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers. Plus connu aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins, qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leur confrérie. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine, et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières, enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden, une relique très ancienne, capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvé. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mésaventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance, et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Desmond Miles. Ezio, auditore da Firenze. Rebecca, il y a un problème? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au courant. What's happened? Je ne comprends rien. Ne partez pas. J'ai tant de questions.
What's happen? Je repars de la salle où j'étais, ok, d'accord. Ok. Où le grand gourou, il a disparu. Il s'est fait manger. Le pape. Bâton papal. Ao. Houston, nous avons un problème. Il vaut mieux le confier à la terre que le laisser aux hommes. À l'oncle. Mario. Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe! Ne restons pas ici. Oh, oh, c'est malin ça, comme il va. Voilà. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mario. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Borgia, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Che cosa fate qui? Assassini! Dieu vous punira pour vos crimes! Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré! Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas! Nous devons partir, Ezio, vite! Se faire attaquer par... Basta, basta! C'est le diable qui parle à travers lui! Il ne faut pas les approcher! As-tu été blessé par Rodrigo? À peine! Mon armure a atténué l'attaque! Prépare-toi au combat. Bon, hâte. Oh. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je te sauve la vie. Pas mal pour un vieil homme. C'est vrai, tu as encore de beaux restes. Buona questa. Oh, je vois pas les mecs. Magnifique! Quelle adresse! La partie didacticielle, comme d'habitude. Pardon, mon oncle. Lui qui vous a envoyé parmi nous.
que je suis de trop près, sinon ça pose des problèmes. Excellent, alors je l'ai fait tomber. Bon. Même je suppose, de toute façon, je passe devant parce qu'ils sont encore sans trop choquer. Pardon, mon oncle. Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Ben. Saute ! Rome. Colisée. Minerve va parler du soleil, d'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps, et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi ? Oh, ces explosions là. Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah, et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon ? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement. On peut rentrer dedans à cheval maintenant, d'accord. Soyez le bienvenu, Ezio. Salut, Ezio. Je veux le voir. Bonjour. Salve, Mario. C'est bon de rentrer chez soi. Felice anno nuovo. Rentrer avec le cheval. Cet endroit ne cesse de prospérer. Grâce à toi. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mon frère. Claudia. C'est bon de rentrer. Comment va mère ? Elle va bien. On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir.
la comtesse de Forli est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina? Ici? Est-ce enfin terminé? L'Espagnol est-il vraiment mort? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout. Je te préviens, Ezio. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Fermé, d'accord. Voilà. Je n'y arriverai pas toute seule. Ah. Cette caisse est trop lourde. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi étrange. Vraiment. Tu as besoin d'aide? Salve. Toutes ces fleurs? Si c'est pour ton mari, il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé un volontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi. Ah ? Je ne suis pas mariée. Ces fleurs sont pour une fête. Et suis-je invitée ? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa ? Tu as une certaine prestance. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Tu penses vraiment que j'ai de la prestance ? C'est ce qui m'a frappée chez toi. Personne ne marche avec autant d'assurance. Je suis sûr qu'Ezio Auditore lui-même serait impressionné. Ah ? Et que sais-tu d'Ezio ? Claudia ne jure que par lui, mais ses visites sont rares. D'après ce que je sais, il n'est pas très présent. C'est vrai. Je m'en veux. Oh non. Toi ? Cette fête est censée être une surprise. Surtout, ne dis rien à Claudia. Et comment comptes-tu acheter mon silence ? Tu verras, je déborde d'imagination. Ah ouais. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. Et à propos d'acheter mon silence, j'ai peut-être une idée, mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Crois-moi. Eh ben. Ça s'est fait. Putain, j'espère que ça peut être des quêtes débiles comme ça, tout plus. Non, effectivement, ça n'a aucun sens. Allez. Buongiorno. Ezio, Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Alors, Foirax. Revenir. Ou pas. F monte. Mage.
Ah, yeah. Voilà. Grazie, Ezio. Grazie. Ces chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous mes combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio. Un plat haut, d'accord. Haut. Alors, ce sont les nouveaux canons ? Oui, Signor Ezio. Je peux en essayer un ? Oui, mais... Allez, dis-lui ! Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner, et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Allez. Salve, messere. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est ? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Uno momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Ça veut dire ce qu'il reste à faire, très cher. Par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicatesse. Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires. Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française. Un canon à main. Qui plus est, entièrement construit en fer forgé. Imaginez, une arme dangereuse et portative. Oui, ça, c'est l'avenir. Qu'avez-vous fait ? On les a essayés ? Ils n'étaient pas prêts à tirer ! Vous auriez pu tous nous tuer ! Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile ! Voilà, c'est bon. Visez quelque chose pour vérifier l'alignement. Oh oh, ça dépote sa race. Allez-y. Fusille les mannequins. Easy. Perfecto. Il y a au moins quelqu'un qui s'est visé ici. Bien, passons à l'eau. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparez l'autre canon. Comique.
Mario là. Allez, dans la villa. Leonardo. Buongiorno, Ezio. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forli. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse? Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Mère. Machiavelli. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non ! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Minerve. Avait-elle forme humaine? Oui. Mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Et où sont les temples que la déesse a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Portia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il amendé? A-t-il cherché à te corrompre? Non. Rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie? Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaire et de monde supplié. Ouais, il est pas mort. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non. Il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. Caterina. Ah ouais. Bienvenue chez toi. Mmh. Ah mais oui. Ah mais oui. Donc.
Et si on recommençait? Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Je crois pas qu'ils s'entraînent là. Vite, je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. What the fuck? Ah ouais, d'accord. C'est comme de l'attaque sur les armées du pape. Les armées du pape, à mon avis. Ah putain! Ce sont les Borgia! Et nous n'avons rien vu venir! Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit! Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent! Tu peux compter sur moi! Utilise les canons en haut des remparts! J'en profiterai pour mener une attaque frontale! Tu l'as prise? La pomme est en sécurité! Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué! Insieme per la vittoria. Insieme. Allez. Mario, sois prudent. Toi aussi. J'aime bien son oncle. Allez, gars, go, 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 go. What the fuck? Moi, je peux utiliser le canon. Détruisez les canons, signore. Il faut leur tirer dessus, signore. Qu'est-ce que je fais, mec? Oh, j'ai raté. Allez, go, go, vite. Ah, j'ai raté, putain. Putain. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Oh la vache. C'est hard. Allez mec. C'est parti. Elle recharge plus vite, toi.
On va faire rater, putain. Allez, go. Go. Putain. Allez, vite. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. Allez, encore, putain, vite. Chaud, quoi. On est mort. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Incroyable. Ça veut pas grand chose. Dépêche-toi. Sauvez-nous, je vous en prie. Ouais, dépêche-toi, dépêche-toi. S'ils percent une brèche, nous allons tous mourir. Ils vont massacrer ma famille. La moitié des habitants s'est déjà enfui. Allez. Mort, putain, comment c'est incroyable ça! Incroyable! Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça ne veut pas?
Même stade, hein. C'est exactement le même stade. Hein. Ça change rien. Sauvez-nous, je vous en prie. S'ils percent une brèche, nous allons tous mourir. Et ils vont massacrer sa famille. Attention, là c'est mort. Ok. Allez. J'arrive pas. J'arrive pas. N'arrive pas. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Je perds pas du temps pour un en fait. Parce que par deux. À mon avis, c'est ça. Oh là là, mauvais ça. Ah ça c'est nul. Archi nul, c'est mort. Oh j'en ai trois. Le bar sert à rien. On va pas tenir. La moitié des habitants s'est déjà enfui. Allez. Merde. J'espère qu'il aura comptabilisé celui-là. Allez, plus vite. Faut que je tape de l'autre côté, faut que je tape de l'autre côté, vite, 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 vite. Les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Ah, c'est mort, putain, c'est incroyable. Quand ça veut pas, ça veut pas. Seigneur l'auditore, Dieu merci. Il faut les retenir pour permettre d'épuiser les canons, signore. Oh, je n'ai que deux... Putain, chiotte quoi. Allez, dégage. Oui.
Oh là, putain, les deux étaient dedans, quoi. Non. C'est mort. Obligé que c'est mort. Allez où? Allez plus vite, plus vite, plus vite. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. J'y arrive pas. Je dois faire. Incredible. Passage là, il me saoule là déjà. Allez, recherche plus vite, quoi. La moitié des habitants s'est déjà enfui. Allez, encore. Vite. Putain! Vite. Allez, putain. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. Vite. Ça se joue à la seconde, hein. Oubliez les canons, il faut les arrêter. Allez-y, je prendrai votre place. Pas de pitié pour l'ennemi. Un palan pour l'utiliser. Palan. Ok, pardon.
Oh oh. Mais putain, mais sors ton arme, mec. Mario. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation. Oh l'enfoiré. De ma famille. Là-dessus, Mario. À la tienne. Oh merde. Quel enfer. Ça commence bien. J'ai même pas eu ma fête, du coup. Basta. Je peux marcher. Attention! Ils arrivent! Tous avec moi! Repliez-vous vers la villa! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi! Allez, attrapez-le! Maintenant. Tu n'as nulle part où aller, go, go! Go to la villa. Ezio! What? Fuck, mec. Touche pas à ma frangine, mec. Viens, casse-toi. Je vais les retenir. Non, attends-nous. Nous vous croyons mort, Ezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris. J'y vais. Je dois aider les troupes. Plus vite, Ezio. Et notre mère, elle va bien? Je suis là, Ezio. Grazie a Dio.
Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de Mère. Où est Mario? N'était-il pas censé nous attendre? Les troupes de Borgia ont cerné la ville! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis Mère à Florence. Amenez-moi un cheval! Tu ne viens pas avec nous? Mais où iras-tu? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Un garçon, comme balle quand même. Boum. Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE ? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Désolée, Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Sur mobile maintenant, en fait. Smirmorque. Bon, pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Attends, c'est la Villa Auditore? Eh ouais, c'est notre seul planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Souvenir prisonnier d'un souvenir? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi ? Eh ben voilà. Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance ? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on peut pas passer par là. Alors, on fait quoi ? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches ? Il faudrait cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Bah dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non ? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer ? Hé, hey, je crois que j'ai trouvé. Suis-moi. Desmond, c'était vraiment super. C'est venu tout seul. On peut entrer par là. Bien joué. Et puis nous, on va vous attendre ici, c'est ça, on va rester tout seul, prêt à se faire canarder à la première occasion. Pourquoi ça s'allume pas ? Ça fait du bien de se détendre.
Et t'emballe pas trop, on n'est pas là pour s'amuser. Je crois rêver. Lucie qui me parle de s'amuser. Quoi, Desmond? Je sais rigoler, moi aussi. C'est très convaincant. Ouais, on y croit. D'accord, d'accord. Quand on aura sauvé le monde, je te le prouverai. Tu veux mettre ça par écrit? Il y a de la lumière. C'était quoi, ça? J'ai rien vu du tout. Le soldat ne vous attrape! Correte! Allez! Ils se sont enfuis par là. Qui? Ezio et les villageois. Après l'attaque, je peux les voir. Je sais que c'est difficile, mais essaie de cloisonner ton esprit. Reste bien concentré. Et si mes visions ne cessent pas? Bientôt, je vais me mettre à peindre les symboles sur les murs. Plaisante pas avec ça. 16 est mort. On se concentre sur le présent, d'accord? Coincé, génial. Je vais passer en dessous. Prêt! Tu ne pourrais pas soulever cette grille? Si, mais j'ai envie de profiter de la vie encore un peu. J'ai plus qu'à faire le tour. Salut, officiel Vito. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Qu'à faire le tour. Bien. Alors, par où? Pas par ici. Ce passage doit mener à la galerie qui est juste en dessous. Gare aux chauves-souris! Où ça? Non, je voulais juste te prévenir. Eh ben toi, tu serais pas un bon guetteur. Je vais bien, toi. Ça se passe bien. Je refais toute la salle, gars, donc c'est cool. Oh, encore des fantômes. Je suis là, d'accord? Reste avec moi. Tu n'as pas été blessé? Non. Est-ce que Mère va bien? Et toi, ça roule? Comment ça se passe de ton côté? Aussi un fan de, d'Assassin's Creed? Et si tu me faisais la courte échelle? Il n'est pas sur Valhalla pour le moment. Je pourrais te propulser en l'air pour que tu agrippes la corniche? N'importe quoi. Suis-moi. Accroche-toi. Allez hop, on va monter l'ascenseur, c'est Qu'est-ce parti. Tu... Voilà. Bien joué. À ton service. Ces tunnels ne doivent pas être tout jeunes. Ils datent du Moyen-Âge. Heureusement, les poutres supportent notre poids. Vu le temps que j'ai passé dans la Limus, ça risque de poser problème. Je voulais pas te le dire, mais t'as vraiment pris du poids. Merci. Aïe. Rebecca a dû renforcer la structure. Ce que je devrais dire. T'es sérieuse? Non. Tu es prête? C'est parti, ascenseur ouais. 2. Nice. La dernière fois que je suis venu... Non, Ezio est venu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'aurais pas dû te mêler à ça. Ça me plaît pas. Eh, hey, sérieusement, je ne me suis jamais autant éclaté. Et tout ça grâce à toi. Concentre-toi sur ce qu'on a à faire, d'accord? C'est une sacrée aventure hein, pour ce garçon, purée. Forcément pour moi? Si je m'occupais de tous les leviers, t'aurais plus rien à faire. Plus rien?
Bien essayé. T'es prête? Allez, un autre chemin pour moi. Moins qu'elle fasse celui-là. Nice. Ok. Ça s'est ouvert. Ah ben écoute, c'est pas mal. Le premier m'a bien plu, là. Enfin, le 2, hein, du coup. Et là, Brotherhood, ben, je viens de débuter, donc on verra bien. Mais j'aperçois un levier de l'autre côté. Super. Ezio prend un bon bain chaud avec Catherine Sforza et moi, je dois nager dans la merde. Il y a un autre levier plus loin. Viens par ici. Ok, nice. Ah, le deux, vraiment, vraiment bien. Effectivement, par rapport au premier, ben, vraiment rien à voir. Des déchets toxiques datant du Moyen-Âge. Et alors, ouais, vraiment bien, il m'a bien plu la... Je pue, c'est atroce. À l'Italie et tout ça, c'était vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Venise, même les quêtes. C'était vraiment sympathique. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas fait 100%. J'ai fait les codex, j'ai fait la quête principale. J'ai fait l'armure d'Altaïr, mais voilà, je me suis arrêté là. Bon, j'ai fait quelques petits trucs annexes en passant par là, mais... En plus, mais vraiment bien. Ici, Brotherhood, bah, verra bien. Hein. Je me ferai une idée, donc je dois faire quoi ici? Je vais faire quoi du coup? J'ai pas suivi. Je vais faire. Je vais sauter en face là? Non. Pas ces trucs. Le 2 vraiment bien, après on verra bien. Là, effectivement, il y a Révélation, je pense qu'il fait partie. Fait partie aussi du 2, je suppose que Révélation c'est toujours la saga de d'Ezio. Ezio Auditore. Et puis après ça. Et après on verra bien. Mais t'as fait toute la saga toi jusqu'au Odyssée? T'es prête? C'est parti. Ok, lâche tout. Et toi, pourquoi tu ne te mouilles jamais? T'es là pour ça, non? Ouais, bravo. Charmant. N'est-ce pas? J'arrive là? Ouais. Je te tiens. Merci. Alors, les musiques terribles, terribles. Ezio, nous sommes de l'autre côté, vite. Franchement, la bande-son était vraiment bien. Après, la fin, un peu moins, je trouve. Enfin, moins hypé, mais franchement, pendant la majorité du jeu, c'est vraiment bien, quoi. Ici, pour le moment, la bande-son, elle est bien aussi. Un peu dans l'ambiance, là, tranquille. On sait pas trop où on va, aventure, comme ça... Génial. Les tombeaux étaient vraiment bien aussi. On ne peut pas sauter. Plateforme comme ça, c'est vraiment sympa. Tu vas m'aider. Reste près du bord et tiens-toi prêt. Elle va me catapulter, ça va être un truc de fou. Prêt. Et c'est une vraie assassin, elle. C'est une vraie assassin. C'est bon. Voyons ça. T'as qu'à continuer. Moi, je vais mourir ici avec les chauves-souris dans le noir. Ah bah voilà, parfait ça. Balancier pour moi. Allez, saute. Bien joué. Les chauves-souris seront déçus.
Tant pis. Soldati, j'ai trouvé une entrée. T'es arrêté à Rogue. Il y en a quand même qui sont contents. Parmi les plus grands fans de, d'AC, l'aspect RPG de. Ça va, j'ai compris, c'est encore à moi d'abaisser. Unity, c'est ça, Unity de. Je plaisante. Pour voir si et Odyssey est vraiment pas mal, et apparemment Valhalla est assez vraiment sympathique. Après, il faut aimer l'RPG évidemment, mais côté RPG. Mais j'avais débuté Odyssey, ça m'avait bien plu, mais j'ai pas continué parce que j'avais pas fait toute la saga. Donc, je vais d'abord faire toute la saga avant de continuer. C'est ce que je suis en train de faire, hein, sachant que Valhalla est sortir. Je me suis décidé à refaire vraiment toute la saga depuis le début, me mettre à la fond dans l'histoire pour continuer la suite. Du coup. Où est-ce qu'il veut que j'aille? Est-ce que je dois monter? Après, les musiques elles sont bien là, dans Valhalla. J'ai regardé quelques extraits là. Ça a l'air terrible. Hein. Où est-ce qu'il veut que j'aille? Il faut que je. Hop, c'est ça, non? Non, il faut que j'aille là et puis je saute dans le. C'est bon. Voilà, madame. Merci, Desmond. C'est avec plaisir. Je veux que tu passes, je veux que tu ailles par là. Yes, man. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, je vais pouvoir rattraper mon retard. Allez, fais-moi le passage, voilà, nickel, merci. Merci, c'est un début. Allez, à toi de jouer. Moi de jouer, je dois descendre, c'est ça? Ouh, oui. Ça. Ce qui est bien, c'est que tu vois les améliorations graphiques au fur et à mesure que tu avances dans les jeux. Le 1 et celui-ci, par exemple, on voit quand même une grosse évolution. Quoi. C'est parti! Merci. On fait une belle équipe. Allez, la même chose. Hein. Ok. Pas raté son coup. Hein. Elle a pas peur, hein, la fille. Viens, Desmond. Allons-y. C'est bon, je vois la crypte. Oh, on y est, dans la crypte. What? Ouais. Qui avait l'armure Altaïr. Tous les assassins. Ezio. Wow. Il a l'air si vieux. Ezio a dû revenir ici longtemps après l'attaque. Quoi? Parce qu'il y a la pomme quelque part. Desmond. Ok, ouvrons cette porte. D'accord, on va sauter sur le mur, bravo.
dans un autre monde. Peux-tu dire par là? Sers-toi de la vision spéciale que t'as héritée d'Altaïr. Je vois quelque chose. Desmond, tu vas l'ouvrir, cette foutue bibliothèque? Système de verrou. Dans un autre, dans notre monde. Ah. Mon Dieu. Eh bien, il était temps. Bah, c'est ce qui se passe un peu avec Desmond en fait. Hein. Un petit souvenir. Donc, je sais pas si. Et il y a des chiffres en dessous. 1419, 1420 et 1421. Faudrait peut-être que tu te reposes un peu. Non, c'est bon, ça va. Waouh, cet endroit a vraiment été construit pour durer. Il n'y a même pas une seule fissure et on capte aucun réseau. On sera en sécurité, on peut installer l'Animus ici. Après, ce que je crains, c'est que si tu le fais dans notre monde, après, il n'y a plus de raison de retourner dans le passé. Et donc ça signe un peu la fin des AC, quoi. Ok, tout est en place. Sean, cache le camion en ville. Assure-toi que personne ne te suit. Mais c'est quoi cette puanteur? C'est mes vêtements. Attends, t'as piqué une tête dans les égouts ou quoi? T'as qu'à demander à Lucie. Attendez les gars, il n'y a pas de courant ici. Je pourrais me raccorder à la ligne qui passe à côté, mais la tension est trop basse. Mais oui, bien sûr, et ce sera tout, un petit peu de caviar tant qu'on y est. Oh, je peux aussi vous tricoter une écharpe si vous préférez. Non? Bien, suis-moi. Ah, tu voudrais qu'on arrive à la fin de la saga, toi, en fait, c'est ça? Bah, ça devrait arriver, je suppose qu'ils vont pas... Bon, à un moment donné, ils vont l'arrêter, quand même. J'espère qu'ils vont bien l'arrêter, c'est ça le truc, en fait. Et effectivement, la seule solution de l'arrêter, c'est... C'est le monde moderne. Hein. Bien. Localise les boîtiers de raccordement dans Monteriggioni. On va se servir des gadgets de Rebecca pour rediriger le courant électrique et alimenter la ligne qui passe sous la villa. Ne me pose pas de questions, je ne suis que le crétin chargé de cacher le camion. Visible. J'ai plus de minimap. Aïe. Encore. Est-ce que je dois suivre les câbles? Attends, on va voir. Ça va où ce truc? Et là, ça monte. Ça n'a rien à voir, c'est super. Câble. Là-dedans quand même. Ah, ça a un sens.
Qu'est-ce que c'est? Hop. Parce que des routeurs frais sur un toit, mais bon. Quoi ce truc? Dans la ville, peut-être, je sais pas. Faut vraiment qu'il arrête. Je pense que ça devient trop long, c'est ça. Ah, pourtant, il faut quand même de bonnes choses. Enfin, après, je te dis, il faut aimer le style RPG, mais j'ai l'impression que. Ouais. Moi, Odyssey, il a l'air vraiment bien. Après, je l'ai pas fait à fond, mais. Voilà, là, il a l'air bien. Après, je vois pas trop l'histoire. Bon, évidemment, j'ai pas approfondi, donc je sais pas l'histoire qui est liée aux assassins et aux Templiers, mais. Je sais pas comment ils ont continué l'aventure, en fait. Et toutes les histoires. Évidemment, il va m'en rester un. Ok. Ah bah écoute, peut-être après Valhalla, ce sera le dernier. On va remettre en route l'Animus. Je suis là. Juste à temps, le jour se lève. Le système a booté. Yes, on peut y aller. Ah bah je te dirai quand j'aurai fini ce que j'en pense, tiens. Non, personne. Eh oh, je vous parle, hein. Allô? Elle ne m'écoute pas. Bien, on peut y aller. Lui, on y est la tronche, hein, bravo. Parti, Odezio. C'est droit d'asile. S'installe dans la villa. Tu as dû le remarquer dans le camion. J'ai fait quelques modifications à l'Animus et j'ai implémenté un nouveau programme d'entraînement virtuel. Ici, tu vas pouvoir frimer avec toutes les aptitudes héritées de tes ancêtres. Attends, je vais lancer une mission. Oh. J'ai une arbalète ou je viens de rêver, là? Fou là, quand je me libère. Tu peux accéder à d'autres missions à partir du bureau de l'Animus. Plus tu réussiras les entraînements, plus j'ajouterai de nouveaux défis. Éviter de faire toucher, réaliser les siens. Pour empêcher ton subconscient de refouler les derniers souvenirs d'Ezio, tu vas devoir les revivre dans l'ordre où son génome les a enregistrés. Sélectionne la deuxième séquence, Desmond. Bien, maintenant ouvre-la pour voir tous les souvenirs qu'elle contient. Dès que tu as débloqué une mémoire, tu peux la revivre autant de fois que tu le souhaites en passant par ce menu. D'accord. On peut recommencer ici les... Est-ce qu'il y a des souvenirs que je préfère oublier ? Desmond, je suis très sérieuse. Si tu dois faire une pause, déconnecte-toi de l'Animus. Tu peux sortir de la machine quand tu veux. Je suis en pleine forme, t'inquiète pas. Ah, un dernier truc.
Plus tu revivras les actions de ton ancêtre, plus ta synchronisation à sa vie sera poussée. Et plus tu auras de chances d'accéder à ses souvenirs refoulés. Ok, on est parti. Lance la première mémoire. Desmond, en étudiant les codes à 5 chiffres récupérés à la fin des fichiers du sujet 16, j'ai remarqué une coïncidence troublante. Les codes correspondent très exactement à des coordonnées à l'intérieur de l'animus. J'ai marqué l'emplacement des monuments qui se trouvent à ces coordonnées en utilisant des icônes en forme d'œil. Je doute que tu trouves quoi que ce soit sur place, mais on ne sait jamais. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un bon Splinter Cell, ça c'est... Ça, ça manque clairement, ça. Quel bonheur, quoi. Calmez-vous. La douleur va passer. Ils ont fait un... On y a cru, hein. Et où suis-je ? Chez moi, Messere. Un homme vous a amené. Ah ouais, c'est quand il s'est pris la balle et qu'il est tombé de cheval. Ok, chose. On prend de là. En effet. Vous trouvé par des villageois. Vous devez un certain Messer Machiavelli devant l'entrée du mausolée d'Auguste. Laissez-moi vous aider. C'est l'homme qui m'a amené ici, qui a laissé ses vêtements. Oui, Messere. Ezio Auditore da Firenze. Roma. Oui. Ou plutôt ce qu'il en reste maintenant que les Borgia sont au pouvoir. Où est le mausolée ? Malheureusement, on ne peut pas le voir d'ici. On ne le verrait pas mieux du haut de cette église ? Si, mais il est interdit d'y monter. Ça ne sera pas un problème. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi, bona donna. Addio. Bon Splinter Cell, ouais, ça, ça serait extraordinaire, ça. Ils avaient fait référence à Splinter Cell dans Ghost Recon Wildlands, lors d'un event où il fallait filer un coup de main... Oh merde, putain, le nom du perso maintenant dans Splinter Cell. Ça ne me revient plus. Oh là là, je suis trop dans Assassin's Creed pour le moment, du coup j'oublie. Ah, je sais plus, c'est pas grave. Ouais, ils ont fait une référence, on y a cru à un moment donné qu'ils allaient ressortir. Ils allaient en ressortir. Hein. Mais depuis Ghost Recon Wildlands, plus de signe de vie. Trouver un médecin pour soigner vos blessures après avec Dalija, puis grimper en haut de la tour de l'église pour localiser le mausolée d'Auguste. Un médecin. Trouver un médecin. Échappe pour les objectifs en cours. Ça s'affiche comment maintenant ? Où le docteur là ? Ah, le voilà. Oh, mon bras ! Salut. Vous pouvez me soigner ? Ah, voyons ça. On ne peut malheureusement pas soigner ce type de blessure chez quelqu'un de votre âge. Voici de quoi calmer la douleur, en attendant de cicatriser. Grazie. La plupart des docteurs vous auraient conseillé les sangsues, mais elles sont peu efficaces contre ce genre de blessure. Mais par contre, je peux vous recommander plusieurs confrères dans la ville. Il vous fallait autre chose ? Laissez-moi vous soigner ! Hugo m'a prêté une relique de San Frediano. Elle est très efficace. Actionner un remède. Pour faire des achats.
Soigner, c'est fait. Article d'apothicaire, remède, c'est fait. Revenez voir si vous avez besoin d'aide. Encore de temps. Et le jour où ils sortent, ils annoncent qu'ils sortent un Splinter Cell, je crois que je me refais toute la saga aussi. Obligé. On peut vendre maintenant. D'accord, ok. Très bien, alors à plus tard. Parcourir, parfait. Devant toi. Masque. L'église. Quelqu'un de mon âge. Imbécile. Belle performance. J'ai failli y croire. Mon dos. Jeune apparemment le Ezio. Il a mal au dos déjà. De faire toutes ces acrobaties. Mausolée. Il est là-bas. Il paraîtrait qu'un paysan a résisté aux gardes qui étaient venus l'arrêter. On va lui montrer ce qu'il en coûte de défier les Borgia. Machiavelli attendra. Hello, Rick. C'est fait, prenez les gardes en filature, conservez au minimum un carré de santé. Il paraît que le cardinal est... Ah, il ne manque pas d'audace, lui. Ce genre d'exercice ne me ferait pas de mal, en fait. S'il continue, il va se faire mal, ou pire. Il va blesser quelqu'un. S'ils n'abjurent pas leur foi immédiatement. Merci de noter que le montant des indulgences pour le péché d'adultère a triplé. Oui, il cache son identité. Allez, plus vite! Par où ? Vu. Desmond, je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois ça a plutôt bien marché avec la vision d'aigle. Je n'en supporterai pas plus, calme. Auriez-vous perdu la voici Adi, c'est lui.
Voilà. Bon œil dans les fenêtres pop-up de la base. Et vision deck, quelque chose dit au sujet 16. Je vais parler à ce monsieur. Hein. Elle était très belle. Elle l'était. Jusqu'à ce que ce porco la déshonore. J'aurais préféré qu'il la tue. J'aurais préféré qu'il tue la mia amata. Même ceux qui l'avaient vu grandir ont ri quand il lui a craché dessus. Et il souriait quand on lui a passé la... Oui, je comprends. Vraiment. Ma Livia a été innocente. Ma famille aussi a été trahie et pendue. Le bourreau me surveille depuis sa demeure, du haut de cette colline. Il menace de me pendre si je coupe sa corde. Allez. Quand tu seras prêt, descends là. Je vais m'occuper moi-même de ce bourreau. C'est de la folie! Ils ont tous perdu la tête! Je rentre chez moi! Allez, petite exécution sympathique. Tu as fait du bon travail. J'ai déjà fait mieux. Tout dépend de la qualité des matériaux, en fait. Il est fou. Oh, tant pis pour lui. Chaud, bro. Requiescat in pace. Bon là, tu veux toi. Allez, ciao. Salut. Voilà, c'est fait. Dois-je aller ? Il part parce que c'est un cible, donc je vais chercher ma quête en fait, d'accord, ok. Par contre, pourquoi n'ai-je plus ma tenue d'Altaïr, moi ? Dommage. Est-ce qu'elle est dans mon inventaire ? Je pense pas. Parachute. On pourrait avoir un parachute, d'accord. Parachute. Ouais, why not? Et du coup, j'ai pas vu. Super armure. D'accord, vide. Super.
1920, elle reste confisquée par le souverain jusqu'à nouvel ordre. Puis alors il est 23h43, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On la quête ici. Ezio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander ? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vif. Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Alors, accompagner Machiavelli dans Rome et affronter tous les dangers en chemin. Merde, j'ai pas le choix. Et pour une fois, fais en sorte de ne pas trop attirer l'attention. Pour qui me prends-tu ? Tu devrais songer à t'acheter tout ce qui te manque. Tu ne vivras pas longtemps à Rome sans équipement. J'ai ma lame sur moi. Le voleur. Et les gardes ont leurs armes à feu, grâce à l'argent des Borgia. Heureusement, je suis là. Moi, je veux bien la tenue de... Grazie. Vu que tu es mon débiteur, peut-être écouteras-tu la voix de la raison. Si je l'entends, je te fais signe. Tu as ma parole. J'ai servi des ducs, des princes, des rois. Acheter le stiletto et les épaulières romaines. Petite dague sympathico. Il y a encore à faire. Tissement. C'est d'argent. Je sais pas ce que c'est. Investir dans la forge en fait, ok, j'ai le forgeron, super. Ok. Afficher la carte et appuyer sur l'espace pour le statut du marché économique de Rome. Maintenant, tu vas pouvoir regagner Florence sain et sauf. Sauf que ce n'est pas là que je me rends. Ah. Il n'y aura de paix que si nous nous dressons contre la famille Borgia tout entière. Et contre les Templiers qui les servent. Tu n'as pas fait montre du même courage à Monteriggioni. Comment aurais-je pu me douter qu'il me retrouverait si vite et qu'il tuerait Mario ? Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille, Lucrezia, l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité et sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir ? Où puise-t-il sa force ? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare a des vues sur toute l'Italie.
et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bientôt acquise. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix ? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. On devrait les enfermer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi étrange. Vraiment. Quelle la misère. Il est devenu impossible de gagner sa vie. Juste l'influence de Borgia, les cartes qui se trouvent aux attaquants dès que vous aurez un repéré. Allez vite les zones rouges. Ce ne serait pas mieux à cheval. Rome est très vaste. Cesare est en train de conquérir la Romagne. Le pouvoir des Borgia s'étend un peu plus chaque jour. De fait, ils se sont arrogés les quartiers stratégiques de la ville. Nous ne pouvons utiliser les écuries. Oh, tous doivent se plier à leur volonté maintenant. Mais que veux-tu dire par là, Ezio ? Tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'au moins tu as un plan ? Non, j'improviserai. Et le capitaine Borgia. De ce côté-là. Ah, t'as pas envie d'arrêter ce jeu en fait, c'est terrible. Une échelle, ok. Go. Ah super, bravo. Ah le boulet quoi. Arrête. Voilà. C'est fait. Pas tombé, gros, pas tombé. Ne sois pas naïf, ce n'est pas en tuant une poignée de gardes que les habitants te laisseront utiliser leurs écuries. Tu as raison. Il faut leur envoyer un signal. Attends ici. On fait le tour à Borgia. 60 tirs. Après tout,
Aïe. Ah merde. Ah bien ouais, bravo. Je sais plus faire le saut là. Et voilà. Ezio, on dirait que les écuries sont maintenant ouvertes aux clients. Après toi. Voilà. Exceptionnellement fermé pour une durée indéterminée. Nous vous remercions de votre compréhension. Ah, d'accord. Je n'ai pas capté. Bon, les amis, je vais arrêter là. Je me déco. On continuera les aventures demain. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain. Ciao, ciao, les loulous. Ciao.